Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture de booster. Vous en avez l'habitude sur cette chaîne, puisque nous sommes tous fans de Yu-Gi-Oh! Alors j'ai reçu enfin une petite commande de Yu-Gi Bazar que j'attendais. Il y a 10 pourfendeurs secrets et 10 speed duels. Donc les 10 speed duels, on les ouvrira à la fin, puisqu'on va commencer déjà par les 10 pourfendeurs secrets. Oui, je vais pas faire deux vidéos, je vais faire une vidéo pour tout, parce que c'est des boosters qu'on a déjà ouverts. Donc voilà, allez, sans plus tarder, et en plus ça va être avec un nouveau format. On commence. Et allez, on commence avec donc les pourfendeurs secrets, comme j'ai dit, et on commence avec le premier booster. Alors, on commence avec Amoureux de la Rose, Cristal Inflexipateur Dragite, je sais pas comment on dit, c'est vrai. Gardien d'Onyx Kaokimiru, Fertilisant Miracle, et oh, Éveil Inflexipateur Lionite. Elle est belle. Elle est très très belle. Hop. Alors, vive la terre d'or. Combine de pièges. Sans putride, le gardien des limbes. C'est une réédition ça, elle est vieille cette carte. Surcharge Kaokimiru. Chercheur inflexipateur. J'ai eu le chercheur. J'avais la chercheuse, maintenant j'ai le chercheur. C'est nickel. Alors, nous avons allergie au pollen. Les cartes contre-piège. Ensuite, nous avons à nouveau sans putride le gardien des limbes. Marina, la princesse des tournesols. Alors c'est tant mieux parce que celle-ci je ne l'avais pas. Allez, comme elle est belle. Marina, princesse des tournesols. Ça, je pense que ça va aller dans mon deck Aroma. Il y a de grandes chances que ça aille dans mon deck Aroma. Cyclamène, la fée Rika. Parfait pour les Rika. Et Eldorado, Adelantado. Hop, la pudite inflexipateur. Ok, nickel. Ça c'est bon. Peut-être un potentiel deck inflexipateur. Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Cyclone galactique. Golem de sable Kaokimiru. Et Eldorado. Aldin de Midib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 
C'est un élixir de la destinée blanche. De la blanche destinée, je sais pas pourquoi je veux parler en verlan. Et le dernier booster. Combine de pièges. Sans putride, le gardien des limbes. Surcharge, Koakimiru. Golem de sable, Koakimiru. Éveil inflexibateur. Oh, putain la vache. Elle est magnifique celle-là. Waouh. Nice. Bah franchement, je suis hyper content de ce que j'ai eu pour l'Erika. Parce que c'est le deck que je voulais. Donc on va passer au Spider-Dual. Alors pareil, il y a 10 boosters. Mais en fait, il n'y en a pas 10. Il y en a en avoir 9, puisque je vais vous en offrir un sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitter, je vous l'offre. En jeu concours, bien évidemment, tirage au sort. Donc n'hésitez pas, allez sur Twitter et tentez votre chance. Au moment où cette vidéo est sortie, le tweet sera disponible. Allez, on ouvre le premier booster Speed Duel. Hop, bouclier et épée, Baou, âme possédée, dragon zombie. Alors, tigre zombie, à moitié fermé, âme possédée. Oh, aucun flush royal. Parfait. La compétence pour Yugi, ça c'est nice. Une petite carte compétence. Pour ceux qui aiment le speed duel comme moi, c'est nickel. Alors, grand mammouth de Goldfin, bouclier et épée, chevalier du valet, tigre zombie. Alors, s'il y a un truc que j'espère qui tombe, ce serait Alakan. Et si Alakan tombe, je pense que vous allez m'entendre peut-être crier potentiellement. Alors, tête cheveux serpent, crâne serviteur, unité des magiciens et Buster Blader. Crâne serviteur, chevalier du valet, espionne amazonesse, chevalier de la reine. Alors, diffusion ondulatoire, chevalier du valet, charité de l'homme ordinaire et unité des magiciens. Allez, tombe à la canne, tombe. Ah, bon, déjà, on sait qu'on a carte compétence de Shizu, chevalier de la reine, cristal violet, attaquant en embuscade, protecteur du tombeau et tombe du pharaon, la compétence pour Shizu qui fait que le terrain se transforme en vallée mortuaire pour les decks speed duel. Bon, bah. Malheureusement, plus que deux boosters, je ne pense pas que la canne tombera. C'est ce qu'on, c'est la seule carte qui me manque pour la collection. Âme possédée, chevalier du valet, le tombeau vide, dragon zombie. Et on termine avec donc le dernier booster, terre dévastée, diffusion ondulatoire, espionne. Amazonesse et merde, chevalier enragé. J'ai cru, j'ai vu une carte fusion, j'y ai cru, malheureusement. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine ouverture, une prochaine vidéo. Et je viens de me rendre compte à la fin que je pouvais régler la mise au point. Donc pour la prochaine ouverture, ça sera encore meilleur que ça. Vraiment désolé, c'est des petits nouveaux appareils, tout ça que j'utilise. Donc voilà, bisous à tous, à bientôt. Pensez au follow et à vos likes. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et je l'ai déjà dit. Allez, bye.